Antimicrobial resistance is a global crisis. And has the potential for devastating the health of our global population. The problem of antimicrobial resistance has reached alarming levels. Extensively drug-resistant tuberculosis has been identified in 105 countries. Ultimately, the future of humanity may depend on our ability to respond to the great challenges of antimicrobial resistance. There was this special assembly at the United En septembre 2016, une session extraordinaire a eu lieu aux Nations Unies. Elle rassemblait des professionnels soucieux de la résistance aux antibiotiques. C'était le signe que les Nations Unies avaient pris conscience de l'importance de la question. Depuis sa création en 1945, l'ONU n'avait organisé que trois sessions extraordinaires pour traiter d'une question de santé. C'était une équipe basée en Grande-Bretagne qui était à l'origine de cette réunion. Une équipe soutenue par le gouvernement britannique qui s'efforçait depuis 2 ans d'attirer l'attention de l'organisation internationale sur cette thématique. C'est pour des raisons à la fois scientifiques et humaines qu'il faut s'attaquer à ce dossier à une échelle internationale. Mon rôle consiste avant tout à présenter ce problème sanitaire comme un défi économique et financier majeur que le monde entier doit relever. Human capital, not enough researchers. No innovation, so we recommended a global innovation fund and hygiene to not allow antibiotics to be prescribed without. What was particularly important was that Jim O'Neill produced. C'est surtout Jim O'Neill qui nous a aidés à prendre conscience des effets néfastes de la résistance aux antimicrobiens. Rather scarily, if we don't do something about antimicrobial resistance in another 35 years, there could be 10 million people a year dying. All over the world, both developed and developing. And as we highlight, probably more people than are dying of cancer today. Second thing we showed, directly in terms of economics and finance, how much will that cost the world economy? And this shows you that the accumulated cost over the next 35 years would be a staggering $100 trillion. La résistance aux antimicrobiens pourrait devenir la première cause de décès dans le monde à l'horizon 2050. Et surtout, son coût économique pourrait se monter à 100 000 milliards de dollars, soit 2 à 3,5% du produit mondial brut. Tous les indicateurs sont au rouge. Je me suis assurée que cette question figure sur le rapport national de la gestion des risques du gouvernement britannique. L'épidémie de grippe occupe la première place, suivie du terrorisme, et la résistance aux antibiotiques est seulement à la troisième place. Cela donne bien sûr un poids politique à ce dossier. Mais comme vous savez, c'est un sujet extrêmement complexe, et j'aurais voulu qu'il se place encore plus haut dans les priorités. Contrairement à beaucoup de maladies qui sont apparues au cours des dernières années, comme Ebola, la résistance aux antibiotiques ne s'est pas manifestée brusquement. On ne va pas se dire du jour au lendemain, en lisant la presse, en regardant la télé ou en surfant sur Internet, « Mon Dieu, c'est la fin du monde !» Ça se passe autrement. La résistance aux antibiotiques ne se manifeste pas comme ça. Elle avance de manière insidieuse et devient de plus en plus nocive et dangereuse. Même un riche pays européen qui s'attaque à ce problème sera touché si, à l'autre bout du monde, personne ne fait rien.
On peut établir un parallèle avec le terrorisme ou le changement climatique. C'est un problème qui concerne 7,5 ou 8 milliards de personnes. Il faut le régler ensemble. Chaque année, le nombre de morts augmente, tout comme le taux de résistance. La situation ne cesse d'empirer. Il faut y mettre fin. En 2011, j'étais en Inde. Je travaillais dans l'orphelinat d'un bidonville de Calcutta. Un jour, alors que je marchais le long des voies ferrées, un train m'a happé par la manche et m'a renversé. On m'a secouru et on m'a conduit dans une petite clinique où j'ai été amputé d'une jambe. J'ai crié et pleuré pendant des heures. À mon retour à Seattle, j'ai été hospitalisé pour traumatisme sévère. On m'a fait un examen sanguin et j'ai reçu les résultats le lendemain. Dans le sang de David, j'ai détecté toute une série de bactéries qui étaient extrêmement résistantes à tous les médicaments que nous lui avions administrés jusque-là. Tout de suite, j'ai dit à mon collègue d'aller dans la chambre de David et d'arrêter le traitement. Et j'ai entendu le chef du service des maladies infectieuses dire : il faut l'isoler. On a besoin de vêtements et de matériel de protection pour le personnel et les membres de sa famille qui circulent dans sa chambre. J'avais très peur que ces bactéries se propagent. C'est un scénario que j'envisageais sérieusement quand je suis entré dans la chambre de David. Nous ne savions vraiment pas quoi faire. Le rapport du laboratoire nous indiquait que tous les médicaments que nous utilisions d'ordinaire contre ce genre d'organismes seraient inefficaces. Il m'a dit : nous n'avons jamais vu ce type d'infection et nous ne savons pas comment la traiter. Nous avons en tête quelques pistes que nous allons explorer, mais il est possible que ce soit un échec. J'aime bien ma nouvelle jambe. Je peux lui faire faire un tour complet et des trucs sympas comme ça. Tu te rappelles, on a commencé ici. Puis là, le docteur Smith t'a opéré 4 fois, c'est ça? Oui, 4 fois, oui. 1, 2, 3, et la 4e jusque-là. Voilà les os qu'il te reste en haut de la cuisse. De la première opération jusqu'ici. Oui. Cette section. Oui, il y a un peu de peau en dessous. Tu as une excellente prothèse qui te laisse une certaine mobilité. Mais si la dernière intervention et la dernière cure d'antibiotiques n'avaient pas fonctionné, on aurait dû retirer tous les os jusqu'au pelvis. Autrement dit, tu aurais perdu toute ta jambe. Nous avons dû revenir aux pratiques du début du XXe siècle. À l'époque, on avait souvent recours à la chirurgie pour traiter une infection. David est un cas d'école. Nous lui avons administré des antibiotiques, nous l'avons opéré et il a complètement guéri. Mais au bout d'un mois ou deux, la plaie s'est rouverte et l'infection est réapparue. On ne peut pas vraiment voir où se trouve l'infection parce que les bactéries sont de taille microscopique. Elles sont plus petites que des grains de sable. Donc c'est très difficile de les localiser dans une plaie ouverte. Et les bactéries sont des colonies de clones qui prolifèrent tellement vite qu'en l'espace de 2 jours, et même seulement 30 minutes, il y en a déjà des milliers.
Lorsqu'on envisage un traitement par antibiotiques, on se demande lesquels on va administrer, à quelle dose et pendant combien de temps. Dans le cas de David, on savait quels antibiotiques et quelles doses, mais on ignorait la durée du traitement. Aucun antibiotique seul n'aurait fonctionné. Ils étaient marqués d'un R pour résistant. On espérait qu'en les combinant sur une longue période et en les associant à la chirurgie, ils feraient effet. Les bactéries vivent dans les cellules. Alors c'est très difficile de voir au microscope si le traitement les a effectivement tués. Bien souvent, ces bactéries résistantes se camouflent en s'enveloppant dans des protéines et en formant de grosses cellules globulaires. De cette manière, elles sont protégées et elles restent cachées jusqu'à ce que leur camouflage tombe et les libère. Et alors l'infection réapparaît. Après chaque traitement, y compris le dernier, les médecins m'ont dit « Il y a 30 à 40% de chances que l'infection revienne. On ne sait pas. » La vie est toujours la plus forte. Même l'herbe pousse sur le trottoir. Elle utilise le moindre centimètre de terre qu'elle trouve et elle survit autant qu'elle peut. Nous ne sommes pas différents. Depuis que j'accepte qui je suis et que je comprends ma constitution biologique, j'aime ma survie. J'aime me battre pour rester en vie parce que le sens de l'existence, c'est justement ça. Je suis heureux. J'aime être en vie. Quand on frôle la mort, on apprend à apprécier la valeur de chaque chose, de chaque bouffée d'air, de chaque goutte d'eau, de chaque odeur. Maintenant, j'aime tout. Les antimicrobiens, c'est-à-dire les antibiotiques, les antifongiques et les antiviraux, rendre la médecine moderne possible. Imaginez tout ce qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas d'antibiotiques sûrs et efficaces. Dans n'importe quelle intervention chirurgicale, comme une opération du genou ou de la hanche, on injecte des antibiotiques au patient pour prévenir toute infection de la plaie. Parce que ça peut faire des ravages. Chaque année, des centaines de milliers d'opérations sont pratiquées dans le monde. Les césariennes, les extractions de dents, les greffes de la moelle osseuse ou les transplantations d'organes ne seraient pas possibles sans les antibiotiques. Without antibiotics. If we're not working towards finding, si nous ne trouvons pas de nouveaux antibiotiques, les bactéries vont gagner. Vous savez, elles évoluent depuis des millions d'années. Elles sont la forme de vie la plus ancienne sur notre planète. Donc il faut sans cesse rechercher de nouvelles techniques, de nouveaux principes actifs, de nouveaux champignons, de nouveaux remèdes. Sinon, elles deviendront l'espèce dominante. Elles élimineront la plupart des mammifères sur cette Terre. En tant que scientifique, j'étais naturellement porté vers les questions réellement importantes et les problématiques majeures. Et j'ai fini par découvrir que les bactéries représentaient un des plus grands défis en sciences de la vie. La microbiologie impose des limites qui n'existent pas dans d'autres disciplines scientifiques. Elle soulève des problèmes d'une envergure sans équivalent ailleurs. Le monde tel que nous le percevons aujourd'hui est un seul plan, d'un film qui a commencé il y a 4 milliards d'années. Ce qui se passe en ce moment n'est qu'une scène de ce film. Et dans cette scène, nous pouvons observer ce que les microbes ont produit en 4 milliards d'années. Les micro-organismes changent la face de la planète. Ils modifient la géologie, la chimie et les propriétés physiques de tout ce qui nous entoure. Nous existons uniquement parce que les bactéries ont créé les conditions qui nous le permettent. Elles ont joué un rôle clé. Elles ont été une force motrice dans tout ce qui s'est produit au cours des 4 milliards d'années de l'évolution. Cela devrait forcer le respect et l'admiration.
and respect. En 4 milliards d'années d'évolution, les bactéries ont appris à s'adapter comme aucun autre être vivant. Des cellules qui n'ont même pas de noyau ont des capacités plus développées que toutes les autres créatures sur Terre, nous y compris. Certaines des principales maladies mortelles sont déclenchées par l'activité microbienne. Mais ce que les micro-organismes produisent, nous pouvons l'exploiter pour nos propres besoins. Les antibiotiques sont des armes que les microbes utilisent dans leur monde pour combattre d'autres microbes. Et ces molécules ont des propriétés qui nous aident à lutter contre les infections. Ce n'est qu'en 1875 qu'il a été établi pour la première fois qu'une bactérie donnée pouvait provoquer une infection donnée. En 1928, dans ce laboratoire, Alexander Fleming a fait une découverte accidentelle qui allait changer le monde. Il a constaté qu'une plaque de culture avait été contaminée par un champignon, et pourtant il n'y avait pas de bactéries à proximité. Le champignon avait produit quelque chose qui stoppait la croissance des bactéries. Fleming lui a donné le nom de pénicilline. Industrial monument to the miracle drug. Penicillin, the new drug that affects almost miraculous cures. La pénicilline était considérée comme un remède miracle, un médicament prodigieux qui pouvait guérir tous les maux. On pensait que les maladies infectieuses appartenaient désormais au passé. Il y avait là une certaine arrogance, parce que ce n'était en réalité qu'une bataille dans la guerre perpétuelle entre l'homme et le microbe. Les bactéries ont riposté en développant des mécanismes de résistance. Dès 1943, Fleming mettait en garde contre les dangers de la résistance aux antibiotiques. Il pointait du doigt les conséquences d'une utilisation excessive et abusive de ces substances. There are a few simple rules for penicillin treatment. First, use it only on a suitable microbe. Second, use it in such a way that it gets into contact with the microbe. Third, use it in sufficient dose. Fourth, keep up the treatment long enough to kill the microbe. I have a fear that when penicillin can be bought over the counter, patients will indulge in self-medication and in many cases they will not take large enough doses. The dose is too small, the microbes will not be killed, and there is a danger that they will be educated to resist penicillin. En septembre 1968, j'ai été enrôlé. J'avais 25 ans et je savais qu'en tant que médecin, je devrais servir dans l'armée. Mon oncle avait fait la Seconde Guerre mondiale, mais je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Nous avons suivi un entraînement de 6 semaines. Puis, nous nous sommes envolés pour le Vietnam le jour d'Halloween.
La plupart des hommes avaient 18 ou 19 ans. Ils avaient enfin le droit de boire de la bière. Le premier de chaque mois, ils recevaient leur solde et ils allaient en ville. Dans tous les bars et partout dans les rues, il y avait des prostituées qui les interpellaient. « Hey, G.I., viens, je vais te faire passer un bon moment. » Ils étaient comme des gamins dans un magasin de bonbons. Many prostitutes operate behind the thin facade of a legitimate roadside business. Almost every house on this street is a bordello. The Navy realizes that it can do nothing about prostitution, but unofficially it is trying to do something about the venereal disease. En début de mois, nous recevions 15 à 25 soldats par jour qui étaient atteints de blénorragie, la chaude pisse. Ils souffraient d'écoulements jaune-vert et parfois aussi de douleurs. Ils ne pouvaient pas le cacher. Les sécrétions souillaient leurs sous-vêtements et sentaient très fort. Plus ils attendaient de se faire soigner, pire c'était. Nous les remettions vite sur pied. Une piqûre de pénicilline dans la fesse et en 3-4 jours, ils étaient guéris. C'est un fait entendu. Tu as des rapports sexuels, après, tu vas voir le docteur. Pour les commandants, c'était une excellente chose parce que les hommes pouvaient réintégrer bien plus rapidement les troupes de combat. Auparavant, ils devaient être hospitalisés, ce qui pouvait durer jusqu'à un mois, juste pour une maladie vénérienne. Et puis après, comme on disposait du traitement parfait, il n'y avait plus de période d'immobilisation. Je n'aurais jamais imaginé que nous serions confrontés un jour à une résistance à la pénicilline. À l'époque, personne n'y pensait, pas plus moi que les autres. Avec le recul, j'aurais aimé le savoir. Après la fin de la guerre du Vietnam, les gonocoques, les bactéries responsables des blénorragies devenues résistantes, se répandent dans le monde entier. 10 ans plus tard, près de la moitié de ces agents pathogènes ne répondent plus au traitement à la pénicilline. L'OMS estime que 78 millions de personnes dans le monde ont été infectées par la blénorragie en 2017, soit plus d'1% de la population mondiale. La chose la plus importante à savoir sur la blénorragie, c'est que si elle est localisée dans la gorge, on n'a presque pas de symptômes. Pas même des maux de gorge. Donc on peut avoir la blénorragie dans la gorge pendant des semaines, des mois, voire des années, et la transmettre à d'autres personnes sans même savoir qu'on est infecté. Les personnes qui ont de nombreux rapports bucogénitaux vont développer une résistance aux antibiotiques, quels qu'ils soient. Avec un peu de chance, les traitements marcheront pendant un an ou deux, mais tôt ou tard, ils deviendront inefficaces. Inciter les gens à utiliser des préservatifs n'est pas facile. Les convaincre d'en utiliser pour une fellation est presque impossible. Mais tant qu'on ne le fera pas, on ira droit dans le mur, et il y aura de plus en plus de résistance aux antibiotiques. Le premier cas de résistance à la pénicilline est survenu en 1976. Vers 1980, les cas de résistance étaient si nombreux qu'on a dû arrêter de l'administrer. Il a fallu 20 ans pour que la ciprofloxacine devienne à son tour inopérante. C'est très intéressant parce que c'est l'antibiotique qui était utilisé au moment où le VIH s'est répandu. À cette époque, le taux de changement de partenaire sexuel était bien plus faible qu'à toute autre période de l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi, selon nous, la ciprofloxacine a été efficace pendant une vingtaine d'années. Dans cette clinique et dans cette région de Grande-Bretagne, nous n'avons pas encore eu de patients atteints d'une blénorragie incurable. Mais le premier cas au monde a été observé dans notre pays en 2018. Puis il y a eu 2 autres cas en Australie. En général, les patients ont eu des contacts avec des personnes d'Asie du Sud-Est. Si on relève 1 cas en Grande-Bretagne et 2 en Australie, c'est qu'il y en a un très grand nombre aux Philippines, en Thaïlande et dans d'autres pays de cette zone. Simplement, ils n'ont pas encore été découverts. Ce n'est qu'une question de temps pour que ça devienne la norme. Dans 2 ou 3 ans, nous verrons ces souches de bactéries tous les jours. Mais d'ici là, nous n'aurons pas de remède pour les traiter.
Nous ne voulons pas vraiment revenir à l'époque où il n'existait pas de médicaments efficaces. On prodiguait alors des traitements barbares dont les effets étaient désastreux. Par exemple, chez les femmes atteintes d'une blénorragie incurable, l'infection détruisait les trompes de Fallope. Au bout d'un an ou deux, la maladie se résorbait, mais il fallait effectuer une intervention chirurgicale lourde dans le bas-ventre. Chez les hommes, l'infection attaquait les testicules, comme chez le patient dont nous avons parlé tout à l'heure. Il n'existait pas de traitement. Je vous laisse imaginer combien c'était agréable. Quand les gens se penchent sur le problème de la résistance aux antibiotiques, bien souvent, ils ont tendance à penser que les antibiotiques ont été mal utilisés. Mais depuis leur apparition, les antibiotiques sont également employés de manière abusive dans l'agriculture. Ils sont administrés à des animaux en parfaite santé et qui n'en ont pas besoin. C'est un secteur d'activité très compétitif. La rentabilité est faible et la concurrence importante. Notre objectif est d'être le plus efficace possible dans nos méthodes de travail. Nous essayons de nourrir et de soigner nos animaux de manière optimale pour augmenter notre rendement. Nous expérimentons sans cesse de nouvelles techniques et de nouveaux procédés pour rendre l'élevage plus performant et stimuler la croissance des animaux. Ça évolue constamment. Il y a toujours de nouvelles idées et de nouveaux outils à disposition. Et nous nous efforçons de rester à la pointe. En 2016, 80% des antibiotiques administrés aux États-Unis ont été incorporés dans la nourriture d'animaux destinée à la consommation. 15 millions de kilos d'antibiotiques, soit 300 mg d'antibiotiques par kilo de viande produite. Note the weight of a chicken raised for 8 weeks on a regular feed. Now another chicken nourished for the same period on regular feed plus terramycin, a 15% increase in growth. Une toute nouvelle industrie a vu le jour. En 5 ans, les agriculteurs américains à eux seuls ont donné 227 tonnes d'antibiotiques à leurs troupeaux. Dans la plupart des cas, ces médicaments n'étaient pas destinés à des bêtes malades. On les utilisait pour augmenter leur masse musculaire, accélérer leur croissance ou encore les prémunir contre des maladies potentielles parce qu'ils étaient élevés dans des hangars pleins à craquer et des parcs d'engraissement. A cattle feeding complex like this vast layout can be compared to a factory production line with the end product being beef. And each animal is a small factory in itself, turning raw materials into a highly esteemed finished product for human consumption. It's very clear that the... C'est clair. Les scientifiques qui ont démontré cet effet n'ont pas pensé qu'il pourrait y avoir de graves conséquences. Il ne leur est visiblement jamais venu à l'esprit que les bactéries résistantes qui se formaient dans le ventre des animaux du fait de l'adjonction d'antibiotiques dans leur nourriture n'y restaient pas confinées. Et pourtant, elles se répandaient à l'extérieur par les excréments du bétail et infectaient l'environnement. De même, lorsque on abat les animaux et qu'on leur retire l'estomac et les intestins, les bactéries se retrouvent dans la viande destinée à la consommation.
Il y a donc au moins deux modes de transmission, par les fermes d'élevage qui contaminent l'environnement et par la viande qui arrive dans nos foyers et nos cuisines. En 1967, j'étais adolescent et je me souviens de cette histoire. Juste avant Noël, une épidémie a éclaté à Middlesbrough. De nombreux bébés étaient touchés et certains en sont morts. Dans notre service, c'était terrible. Les gens nous amenaient leurs bébés souffrants tous les jours. Nous les soignions dans des incubateurs et nous observions leur état s'améliorer ou pas. Nous avons pu guérir beaucoup de ces nourrissons qui étaient gravement malades. Mais malheureusement, nous en avons aussi perdu. J'avais 11 ans et ma mère attendait des jumeaux. Elle a accouché à la mi-novembre. Au début, tout paraissait normal. Mais au bout de quelques jours, on a compris qu'il y avait un problème. Ma collègue est partie chercher les deux bébés. C'était des jumelles, et elle avait peur de ne pas réussir à les rapatrier à temps à l'hôpital. La deuxième fillette a vécu un peu plus longtemps. Elle est morte le jour de Noël. Elle avait environ 6 semaines. Au début, les autorités ont déclaré qu'il s'agissait d'une épidémie de gastro-entérite. Mais très vite, il est apparu que c'était plus grave. Les antibiotiques ne faisaient pas effet. Les bébés étaient toujours aussi malades et continuaient de mourir. Je ne crois pas qu'à l'époque, nous ayons tout à fait compris cette résistance aux antibiotiques. Les gros titres se multipliaient et les gens attendaient des réponses de la part des pouvoirs publics. Thank you.
Mon père a fait une chose admirable. Il a réclamé une enquête publique. Il voulait qu'on sache qu'il y avait un problème et que la population n'en avait pas été informée. On posait des questions sur la résistance à certains antibiotiques. Et on pointait également du doigt leur utilisation vétérinaire. Les scientifiques commençaient à craindre que cela puisse être la cause de cette épidémie. Sous la pression publique, le Parlement a été contraint d'ouvrir une enquête. Celle-ci a mis en évidence le lien direct entre l'administration d'antibiotiques en agriculture animale et la résistance croissante des bactéries. En 1969, après l'épidémie de Middlesbrough, le Parlement britannique interdit aux agriculteurs d'utiliser les antibiotiques comme accélérateur de croissance. Mais de nombreux antibiotiques sont déjà devenus inefficaces. Dans les années 1960, les bactéries résistantes se multiplient de plus en plus vite. La multirésistance préoccupe tout particulièrement les chercheurs. C'est pendant mes études de médecine ici, dans les années 1950, que j'ai entendu parler de la résistance aux antibiotiques. J'étais très surpris de découvrir qu'il existait ce merveilleux domaine en médecine. On nous a appris qu'en cas de résistance, il fallait prescrire deux antibiotiques différents en même temps. Le risque de résistance à l'un était d'un sur un million, et pour l'autre, c'était pareil. Le risque de résistance aux deux antibiotiques était donc d'un sur mille milliards. Autrement dit, c'est une probabilité infime, quasiment nulle. Il y a eu une conférence sur les observations d'un scientifique japonais du nom de Tsutomu Watanabe. Il était en présence de patients infectés par des bactéries du genre Shigella. Il leur a donné des antibiotiques, mais le traitement ne marchait pas. Il a dû admettre, non sans effarement, que les bactéries qu'il avait isolées chez ses patients étaient devenues résistantes à deux antibiotiques et au moins à trois autres. C'était du jamais vu. Un chercheur japonais a fait une découverte extraordinaire. La résistance se propage non seulement verticalement au sein d'une population, mais aussi horizontalement, à l'intérieur d'une même génération. Il a appelé cette découverte les facteurs R. Et ces facteurs R nous indiquent que le matériel génétique qui transmet le mécanisme de protection n'est pas forcément attaché au chromosome des bactéries. Il peut flotter librement dans la paroi cellulaire de la bactérie. De plus, il peut quitter une bactérie et être recueilli par une autre. Les bactéries peuvent échanger des gènes qui ne font pas partie de leur ADN chromosomique. C'est une découverte remarquable parce qu'elle nous révèle que le patrimoine bactérien ne se transmet pas uniquement par voie chromosomique. Il apparaît qu'il existe des segments d'ADN indépendants. Non seulement ces segments contiennent le code génétique permettant une résistance aux antibiotiques, mais ils peuvent rassembler différents codes. C'est comme si on jouait aux cartes. On peut prendre une carte à son adversaire et la garder, et vice-versa. C'est un peu pareil. Disons qu'une bactérie qui est devenue résistante à une famille d'antibiotiques
a une paire de rois aux mains. Ça ne l'empêche pas de développer une résistance à d'autres familles d'antibiotiques. En plus des deux rois, elle peut détenir une paire de dames et d'as et finir ainsi par avoir la main gagnante. Il est important de comprendre toute la portée de la découverte des facteurs R, qu'on a appelé 10 ou 20 ans plus tard les plasmides. La menace que représente l'antibiorésistance, en particulier celle qui émane de l'agriculture, est bien plus sérieuse et étendue qu'on ne le croyait. Les bactéries développent des résistances pour se défendre contre les antibiotiques. Et les facteurs R prouvent qu'une fois établis, une résistance peut se propager partout. Elle peut être transmise à n'importe quelle famille de bactéries et s'éloigner considérablement de son lieu d'origine, par exemple une ferme d'élevage. La résistance aux antibiotiques s'est amplifiée. D'une menace relativement prévisible, elle est devenue imprévisible et indétectable. Et pour les gens, il est encore plus difficile d'en mesurer les enjeux. Les travailleurs du secteur agricole refusent de croire à la transmission de la résistance malgré les nombreuses preuves que nous leur avons fournies. Ce qui est très troublant, c'est qu'il y a 50 ans, on savait et on comprenait déjà ce qui se passait et pourquoi. Un grand nombre de microbiologistes et de médecins s'étaient forcés de faire changer les habitudes quant à la manière d'utiliser les antibiotiques. Mais ça n'a servi à rien. En 1976 est une année très importante dans la politique américaine. C'était le bicentenaire. Le pays fêtait ses 200 ans. On a connu une vague d'introspection. C'est également une année marquée par l'élection présidentielle. Le Congrès s'est doté d'une administration essentiellement démocrate et très réformiste. C'était le début de l'administration Carter. Jimmy Carter arrive à la Maison-Blanche. Il vient de l'État de Géorgie et se proclame fièrement comme étant un outsider. Il s'entoure d'un groupe de réformateurs déterminés. Il veut mettre un scientifique à la tête de la Food and Drug Administration. Historiquement, cette agence de sécurité sanitaire a toujours été dirigée par un physicien. Cette fois, Carter décide d'y nommer Dr. Kennedy, un scientifique de renom très apprécié, très dynamique. Une vraie pile électrique. Kennedy arrive à la Food and Drug Administration et s'engage à modifier définitivement la procédure d'usage des antibiotiques. Il veut revenir sur des autorisations accordées il y a plus de 25 ans concernant l'usage des antibiotiques dans l'agriculture. Il dit « Nous allons régulariser la situation, car en tant que scientifique, je suis convaincu, j'en suis certain à 100%, que si une bactérie devient résistante chez l'animal, il y a une probabilité évidente pour qu'elle se transmette à l'homme. » Ce n'est pas une hypothèse. Il s'agit d'une certitude scientifique. Dans un sens, c'est le débat entre la science et la politique ou entre la santé et la politique. Et ça se résume à la question suivante. Quand décide-t-on qu'il est temps d'agir? Quand on en est encore à la théorie? Ou bien quand on commence à en voir les conséquences et que le problème est déjà là?
J'étais son directeur adjoint. Mon travail consistait à le préserver de tous les monstres bureaucratiques qui rôdent à Washington. Nous nous sommes tout de suite attirés les foudres de tout un éventail d'associations professionnelles. Et les oppositions devenaient de plus en plus importantes. Certaines émanaient même de membres du Congrès. Cela allait engendrer un bouleversement dans le système de production alimentaire américain. Il existait des élevages composés de 15, 20, 30 et même 50 000 têtes. Économiquement, de grosses sommes étaient en jeu. On en était à un point où il fallait jouer serré politiquement. Certains membres puissants du Congrès, qui doivent leur siège à l'industrie agricole, ont dit au gouvernement Carter que ce que le directeur de l'agence sanitaire proposait ne devait pas être autorisé. C'est affligeant de voir comment la politique américaine a agi par rapport à l'utilisation des antimicrobiens dans les élevages. C'est affligeant, la médiocrité dont ces hommes politiques ont fait preuve. Et cela démontre très clairement le pouvoir des lobbies. Pendant 40 ans, et malgré les preuves scientifiques, le Congrès américain bloque toutes les auditions portant sur les antibiotiques accélérateurs de croissance. Ces dernières années, l'industrie pharmaceutique américaine a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards de dollars grâce à la vente d'antibiotiques aux éleveurs. En 2008-2009, le laboratoire de santé publique de Londres a constaté un nouveau type de résistance en provenance d'Asie du Sud sur des patients qui avaient subi des infections post-opératoires suite à des abdominoplasties ou des implants mammaires, entre autres. Nous voulions comprendre ce qui se passait dans cette région du monde. Pour cela, nous nous sommes donc rendus en Inde afin de prélever des échantillons. Nous avons découvert un nouveau mécanisme de résistance qui s'appelle la NDM. La NDM1, la New Delhi Métallo-Bêta-Lactamase 1, est un mécanisme de résistance. Elle rend inefficace des antibiotiques dits de dernier recours, les carbapénèmes. Quand nous avons découvert la NDM, nous nous sommes rendus compte qu'elle conférait une résistance à une petite molécule d'ADN de forme circulaire, le plasmide. Dès lors que la bactérie contient des plasmides, elle a le potentiel de se disséminer en faisant passer ces plasmides dans d'autres bactéries. Ce qui crée un pouvoir de contagion totalement incontrôlable. C'est comme un feu de forêt. Si vous absorbez une bactérie résistante et qu'elle s'installe dans votre flore, cela ne signifie pas que ça va déclencher une infection chez vous. Mais si vous avez en vous la NDM, qui touche donc les plasmides, c'est la condition idéale pour qu'elle se transmette à d'autres bactéries qui pourraient être bien plus pathogènes et qui, elles, pourraient provoquer une infection.
Ce que nous voulions également comprendre, c'était dans quelle mesure cette enzyme était répandue en Inde. Donc, nous avons relevé des échantillons dans le pays, essentiellement autour de Delhi. Nous avons constaté que la NDM était présente dans 50 à 60% de nos échantillons, ainsi que dans l'eau potable à hauteur de 5%. Cela nous a permis de constater que ce que nous observions cliniquement n'était finalement que la partie émergée de l'iceberg. Il existe aujourd'hui un mécanisme de résistance à l'air libre, et plus uniquement dans des cliniques ou des hôpitaux, et il a le pouvoir de se propager très rapidement. Fin 2012, deux ans après la découverte de Timothy Walsh, des chercheurs découvrent des variantes de la NDM1 dans 42 espèces de bactéries. La NDM1 s'est propagée dans 55 pays. De plus en plus, on constate la présence de bactéries résistantes loin des endroits où elles ont été générées. Donc, on peut se demander pourquoi la NDM représente-t-elle un aussi grand choc pour le système ? La réponse est la suivante. La progression de la résistance est un véritable problème, parce qu'au fur et à mesure, les moyens pour combattre le phénomène diminuent. La grande majorité des antibiotiques qui circulent sur le marché proviennent des micro-organismes, principalement des bactéries, mais seulement celles qui peuvent être cultivées en laboratoire. Celles qui ne peuvent pas l'être restent inexploitées. Donc, le minuscule pourcentage de diversité microbienne de la planète que nous sommes capables de mettre en culture nous a permis de soigner des milliards de personnes pendant un demi-siècle. Et tout cela grâce à une source qui ne représente même pas un millième de ce qui est à notre disposition. Imaginez un peu ce qu'on pourrait faire avec tout le reste. Il existe des centaines de milliers, voire des centaines de millions de micro-organismes. Certains disent qu'un seul gramme de terre en contient des millions, et nous ne les avons pas encore observés, cultivés et exploités. Cette matière, nous savons qu'elle existe dans le monde microbien, dans la nature, mais elle n'existe pas en laboratoire. C'est finalement la grande inconnue. Cette entité porte un nom. C'est la matière noire microbienne. Elle représente une mine d'or de par sa diversité de composés bioactifs. Ce qu'il faut, c'est trouver la porte d'entrée de cette matière noire microbienne et commencer à intégrer ces nouvelles espèces dans la recherche pour de nouveaux antibiotiques. Tout est à portée de main. Il suffit de chercher le moyen de l'attraper. Claire, on est presque arrivé. Est-ce que tout est prêt? Oui. Les boîtes sont là. D'accord. L'idée était de tenter la culture de ces micro-organismes comme on fait pousser des plantes, dans leur environnement naturel. C'est là que se trouve tout ce dont ils ont besoin pour se développer. Nous avons inventé un objet qui nous permet d'obtenir ça. Nous prenons une cellule dans la nature
et nous la mettons dans cet objet. Puis nous remettons le tout dans la nature qui continue son travail. La bactérie se trouve dans la boîte. Les murs de cette boîte sont faits de minuscules pores, bien plus microscopiques que la bactérie. Donc elle ne peut pas en sortir. Mais la diffusion à travers les pores permet aux molécules d'entrer. On obtient donc le même environnement à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si la bactérie se développe dans la nature, elle le fera aussi dans la boîte. La procédure est la suivante. Une première culture sur le terrain, puis rapatriement au laboratoire. Cela donne accès à 100 fois plus de micro-organismes que lorsqu'on emporte directement les échantillons de terre en labo. Ensuite, elles se propagent comme de la mauvaise herbe. Nous avons apprivoisé et appris à développer des espèces auxquelles on n'avait pas accès avant. La règle générale dans l'industrie pharmaceutique est de dire que pour fabriquer un nouvel antibiotique, il faut d'abord trouver une centaine de nouveaux composants chimiques aux propriétés antimicrobiennes, c'est-à-dire qui sont capables de tuer d'autres bactéries. Il en faut 100 avant d'en obtenir un qui servira de médicament. Les 99 autres sont totalement inutiles. La principale raison pour laquelle ces 99 composants ne deviendront pas un médicament, c'est qu'ils sont toxiques pour nous. Donc il est très rare de trouver une molécule capable de tuer des micro-organismes sans nous tuer nous-mêmes. C'est vraiment très rare. Slava Epstein a identifié plusieurs substances prometteuses. Il s'agit maintenant de les tester sur l'homme avant de pouvoir les commercialiser. Ces études cliniques sont si complexes et coûteuses qu'elles ne peuvent pas être menées par des instituts de recherche universitaires. Il faut trouver des partenaires dans l'industrie pharmaceutique. La petite ville tranquille de Sandwich, dans le Kent, a connu une véritable mutation à l'arrivée de Pfizer. Dans les années 1940, la première usine de pénicilline y est construite. Dans les années 1950, c'est la tétracycline qui représentera une mine d'or. De nouveaux antibiotiques ont été développés ici, sur le site de Pfizer à Sandwich. Pendant la période la plus faste, l'usine employait 2500 personnes, soit la moitié de la population de la ville. En 2011, les bâtiments de production, de recherche et de développement ont fermé. Pfizer était pionnier dans la recherche et le développement de l'antibiotique depuis des décennies. Il est donc difficile de comprendre pourquoi une entreprise de classe mondiale, aussi rentable et aussi impliquée dans le domaine de l'antibiotique, a finalement décidé de se retirer. En 2000, Pfizer a vendu pour 40 milliards de dollars d'antibiotiques. En 20 ans, l'entreprise a multiplié par 5 son chiffre d'affaires dans ce secteur. La fermeture de l'usine de Sandwich s'inscrit dans une tendance mondiale. Sur les 50 plus grands groupes pharmaceutiques, 6 seulement effectuent encore des recherches sur les antibiotiques. Cette tendance des entreprises à se retirer du marché des antibiotiques signifie qu'il n'existe plus de nouveaux produits. C'est comme jouer à saute-mouton. Quand la bactérie s'est adaptée à un médicament, elle s'attaque au prochain obstacle. Jusqu'au jour où il n'y aura plus de solution pour l'arrêter. Nous aurons utilisé tous les recours.
Cela signifie que lorsqu'elle aura surmonté le dernier obstacle, nous entrerons dans l'ère post-antibiotique, où tout ce qu'on a connu jusqu'à présent ne fonctionnera plus. Ladies and gentlemen, very few health threats are local anymore. And few health threats can be managed by the health sector acting alone. The global health landscape is being shaped by three slow motion disasters: a changing climate, the failure of more and more mainstay antibiotics, antimicrobials, and the rise of chronic non-communicable diseases as the leading killers worldwide. These are not natural disasters. They are man-made disasters created by policies that put economic interests above concerns about the well-being of human lives and the planet that sustains them. I thank Member States for taking this crisis so seriously, including the pressing need for incentives to get new products into the pipeline. I urge you, honorable ministers, I urge you to give this item the serious consideration it deserves. Thank you. En général, on estime que développer un nouvel antibiotique ou un nouveau médicament prend 10 à 15 ans et coûte au minimum $1 milliard. Imaginez que vous soyez dirigeant d'une entreprise pharmaceutique qui fabrique des antibiotiques. Vous sortez votre produit dernier cri qui vous a coûté cher. 5 ans plus tard, 20% des bactéries ne répondent plus à votre médicament. Mettons que votre produit soit vraiment très efficace. Il se peut alors que les médecins décident de ne pas le prescrire et de le garder sous le coude pour les cas les plus extrêmes. Dans les deux cas, vous ne récupérez pas l'investissement que vous avez mis dans la recherche. Et vous ne le ferez jamais. Dans ce contexte, il me semble tout à fait logique que personne ne veuille plus fabriquer d'antibiotiques. Il n'y a pas de retour sur investissement. Ça reflète parfaitement bien le modèle économique très limité des entreprises pharmaceutiques modernes. J'ai travaillé pendant 30 ans dans le domaine de la finance. J'étais chef économiste dans une célèbre banque d'investissement internationale. Donc je comprends cette façon de penser. Ils ont beaucoup de secteurs d'activité et chaque secteur doit réaliser le bénéfice qui lui est fixé. Si l'objectif n'est pas atteint, le produit est arrêté. Moi, je pense que c'est ridicule de fonctionner comme ça. Parce que les antibiotiques ont leur rôle dans tous les secteurs. Imaginez que mon médecin me dise « Sally, vous avez un cancer. Nous pouvons peut-être le soigner, mais cela déclenchera une infection. » Je lui demande « Mais si l'infection est résistante, il existe un traitement ?» Et la réponse est « Non. Quel est mon choix ?» Faire une horrible chimio et mourir d'une infection ou ne rien faire du tout ? Il faut voir plus loin. S'ils arrêtent les antibiotiques, ils ne vendront plus leur traitement contre le cancer. Donc, au lieu de considérer l'antibiotique comme un secteur d'activité à lui seul, ils feraient mieux de l'intégrer au sein de toutes les branches de leur société. Et s'ils ne le font pas volontairement, et ça commence à être urgent, je crois que nos leaders politiques vont devoir taper du poing sur la table et forcer l'industrie pharmaceutique à se comporter différemment. Thank you.
Les responsables politiques agissent seulement une fois que le tsunami est passé. Cette inaction est extrêmement frustrante, notamment de la part des entreprises pharmaceutiques. Notre rapport a été publié il y a déjà 2 ans. Une chose est sûre, le tsunami approche. Notre avenir s'annonce des plus sombres si on ne développe pas de nouveaux médicaments. Et nous avons besoin d'une meilleure prévention, d'une meilleure connaissance de nos maladies, d'un meilleur diagnostic, bien sûr. Mais il nous faut aussi de nouveaux médicaments. Sinon, nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un monde très triste. Je suis inquiète. Je n'endors pas la nuit. Actuellement, plus de 800 antihypertenseurs et anticancéreux font l'objet de recherches cliniques dans le monde, contre seulement 28 antibiotiques. Sur ces 28, 2 tout au plus seront commercialisables. La dernière classe d'antibiotiques a été lancée sur le marché en 1984. Dhaka est la ville la plus densément peuplée du monde. Nous savons que certains facteurs favorisent le développement d'une résistance aux antimicrobiens. Et il ne s'agit pas uniquement de l'usage des antibiotiques. Notre comportement, la manière de vivre et l'hygiène entrent aussi en ligne de compte. S'il fallait prédire à quel endroit dans le monde le prochain type de résistance pourrait faire son apparition et se répandre, ce serait dans un pays comme le Bangladesh. La flore vaginale de la mère contient aussi des germes fécaux. Donc, si un bébé né par voie basse entre en contact avec des bactéries néfastes ou des bactéries très résistantes, il y a une possibilité pour que celles-ci se développent, pénètrent la circulation sanguine et provoquent une infection qui sera très résistante aux antibiotiques. L'issue est souvent mortelle. La mortalité peut atteindre ici 20 à 30%, ce qui est énorme. Officiellement, nous avons 100 lits. Mais dans la réalité, nous accueillons 500 à 550 patients ici. Les malades sont couchés dans les couloirs, devant les ascenseurs, en bas des escaliers. Et parfois, quand les lits temporaires sont complets, ils sont même obligés de s'allonger à même le sol. C'est un gros problème. Les brûlés, par exemple, demandent des soins spécifiques que nous ne pouvons pas leur offrir. Donc, ils sont couchés par terre. Quelles sont les conséquences? On constate de nombreuses infections, notamment des infections nosocomiales. Nous ne parvenons pas à maintenir les blessures stériles. Actuellement, nous perdons 50% de nos patients à cause des infections. Je travaille ici depuis 10 ans maintenant. Au début, il n'y avait pas autant d'antibiorésistance qu'aujourd'hui. En 2018, je me suis rendu compte qu'un cas sur 20 ou 25 représentait une résistance à tous nos antibiotiques.
C'est pour cette raison que le pourcentage de décès augmente de jour en jour. C'est une guerre longue, faite de nombreuses batailles. Quand on voit l'allure à laquelle les bactéries sont capables de se développer et d'acquérir une résistance aux antibiotiques, il est évident qu'aucun pays ne sera épargné. C'est un problème planétaire. Nous avons fermé les yeux bien trop longtemps. Nous nous sommes mis des bâtons dans les roues. Nous n'avons pas voulu comprendre et prendre cette question à bras-le-corps. Je crains que ce qui se passe ici ne se répande dans le monde entier. La menace est imminente. D'ici 2040 à 2050, nous serons de retour à l'ère pré-antibiotique, c'est-à-dire comme au 19e siècle, où les antibiotiques n'existaient pas et où les gens mouraient de maladies infectieuses banales. Nous en sommes à deux doigts. Les néphrologues sont des spécialistes de la dialyse. Je suis le seul néphrologue à avoir été agriculteur au préalable dans les années 1970. Je donnais moi-même des antibiotiques à mes porcs. À l'époque, c'était comme avec les hommes. Quand un porc était malade, on lui administrait à lui seul l'antibiotique approprié après le diagnostic du vétérinaire. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème. Je suis néphrologue depuis 1986. J'ai commencé par travailler au service de dialyse d'un hôpital. Puis j'étais à la tête d'un véritable empire avec quatre cabinets de dialyse qui couvraient une zone de 300 à 400 000 habitants. Au bout de 13 ans à faire des dialyses, j'ai finalement rencontré mon premier cas de germe multirésistant. C'était en 2000, dans mon cabinet de Wildeshausen, une ville où il y a beaucoup d'abattoirs. Vers 2005-2006, j'ai vraiment pris conscience des changements radicaux qui étaient en train de s'opérer. Je me suis dit, nous supervisons ici une clinique, une unité de soins intensifs, et dans une chambre sur deux ou sur trois, il faut enfiler une blouse, des gants et un masque avant d'y pénétrer, parce qu'à l'intérieur, il y a un patient porteur de germes multirésistants qui doit être isolé. D'après moi, et c'est l'élément clé, toutes ces pathologies n'existaient pas avant 2000, ou du moins avant 2005. Elles n'existaient pas. Entre 2001 et 2010, le cheptel de volaille est passé d'un million à 10 millions dans mon petit district de 80 000 habitants. Cela représente une augmentation de 1000%. Et l'usage d'antibiotiques a connu la même hausse. Il ne faut pas être un médecin spécialement calé pour faire le lien. Pour moi, c'est on ne peut plus évident. La source du mal se trouve ici. Ce sont les conduits d'aération. Cette carte est un instantané qui nous montre comment les germes se répandent à partir de l'élevage. On voit qu'à la sixième semaine, avec des conditions de vent normales, il y a une concentration très élevée autour du site. Cela pourrait clairement toucher particulièrement les enfants qui attendent à l'arrêt de l'autobus. Ils sont exposés à une très forte concentration de staphylocoque. Ja.
Nous sommes au courant de la prolifération de germes. Nous savons que la population qui vit à proximité immédiate de ce type d'installation est bien plus exposée. Pourtant, nous ne menons pas d'études comme dans les pays scandinaves. Le Danemark prépare un projet de loi qui interdira aux enfants et aux adolescents de se trouver à proximité de sites comme celui-ci. Mais nous fermons les yeux. Et nous ne semblons pas nous préoccuper du problème. J'estime qu'en autorisant de telles pratiques, l'État se rend complice de dommages corporels. Et si on se met à la place des patients, il s'agit même d'homicides involontaires. Les staphylocoques sont des germes cutanés qui se trouvent sur des animaux et qui se répandent par l'air évacué. Encore une fois, il est tout à fait incontestable que des staphylocoques, des germes, se propagent dans l'atmosphère en très grande quantité. Ça ne fait aucun doute. L'Institut allemand de normalisation, le DIN, a évalué la quantité de germes que l'on peut trouver chez chaque espèce d'animal. C'est une étude basée sur des mesures rigoureuses. Ce n'est pas de la foutaise. Il existe aujourd'hui des programmes qui peuvent le calculer de manière précise. Il est donc parfaitement clair que des germes sont rejetés dans l'environnement. Selon la VDI, l'Association des ingénieurs allemands, un élevage de 30 000 poulets répand par seconde 2,1 millions d'unités formant des colonies de staphylocoques. Les bactéries pénètrent dans l'environnement par l'air évacué. Il n'y a pas d'étude officielle sur la propagation de germes résistants. De nombreux facteurs jouent un rôle dans la dissémination de la résistance aux antibiotiques. Mais il ne fait aucun doute que l'usage des antibiotiques chez l'animal pour accélérer sa croissance a précipité le processus. Et la façon dont tout cela a été encadré n'était pas du tout adaptée. Il y a eu des recherches dans les hôpitaux et sur les animaux, mais personne n'a fait le lien avec l'environnement. Personne ne s'est intéressé aux insectes ou à la flore microbienne normale de l'homme. Faire le lien aurait peut-être permis d'avoir une vue d'ensemble. C'est typiquement ce qu'on pourrait retrouver au Pakistan aussi. Regardez, on a mis ça là il y a 3 heures et il y a déjà une vingtaine de mouches. Les mouches n'ont aucune frontière. Elles transportent les bactéries résistantes de manière presque invisible. Elles sont naturellement attirées par les matières fécales, comme celles du chien ou de la poule. Et donc, elles sont le vecteur par excellence entre les poulaillers, les rivières et l'être humain. On va les retrouver sur nos marchés, là où on achète nos légumes et notre poisson. Elles entrent dans nos maisons. Les bactéries résistantes qu'on trouve dans les poulaillers parviennent à se disséminer chez nous par des centaines de manières. Elles vont ensuite contaminer notre flore et potentiellement provoquer des infections endogènes.
La loi interdit de mettre des antibiotiques directement dans la nourriture. Mais leur usage est recommandé. C'est ce qu'on conseille? Oui, on leur donne de la colistine. Et vous trouvez la colistine chez votre fournisseur local? Oui, oui. La colistine est un antibiotique très précieux. C'est pratiquement le dernier ressort en termes d'anticorps qu'on utilise pour traiter des infections à gram négatif très graves. Le jour où la colistine ne fonctionne plus et qu'on constate une augmentation de la résistance au carbapénem, c'est fini. Je travaille sur la résistance aux antibiotiques depuis environ 25 ans. Pendant toutes ces années, on a constaté une augmentation par étapes de cette résistance. Puis en 2015, tout a été bouleversé. En juin ou juillet 2015, j'étais en voyage en Chine. Puis au moment de mon retour, dans le taxi qui me ramenait à l'aéroport pour rentrer en Angleterre, j'ai eu une conversation avec mon collègue, le professeur Yang Wang. Très nerveusement, il m'a dit « Tim, j'ai quelque chose à te dire au sujet d'une découverte que nous avons faite. Nous avons observé une résistance transférable à la colistine. Nous avons donc la preuve que nous allons rapidement être à court d'antibiotiques. La colistine était le remède de réserve. Celui qu'on gardait pour soigner les cas les plus graves d'infections à gram négatif. C'est une découverte que tout le monde guettait depuis des années, parce que c'est l'annonce de la catastrophe. C'est la fin de notre système basé sur l'antibiotique. La MCR1, la résistance plasmidique à la colistine, est identifiée en novembre 2015. En seulement un an, la MCR1 s'est répandue dans 30 pays sur les 5 continents. Nous l'avons appelée MCR. C'est un acronyme en anglais qui signifie résistance plasmidique à la colistine. Jusqu'alors, nous ne l'avions pas observée. Nous ne savions même pas que la résistance plasmidique à la colistine pouvait exister. Et quand on m'a donné la preuve de son existence, mais aussi de sa prévalence extrêmement élevée, j'ai su que cela allait devenir un gros problème pour la Chine, mais aussi pour le reste du monde. On ne parle pas de bactéries ultra-résistantes, mais plutôt de bactéries pan-résistantes qui entraînera la fin des antibiotiques. À un moment donné, la communauté mondiale va devoir prendre une décision et dire que les antibiotiques à usage vétérinaire ne doivent plus être les mêmes que ceux utilisés par les hommes. Il va falloir mettre cette barrière et la respecter. La colistine est un des rares antibiotiques qu'il nous reste dans les hôpitaux pour traiter et éradiquer la résistance au carbapénem. C'est pourquoi elle devrait vraiment être réservée à l'usage médical. Il ne faut plus tolérer son usage vétérinaire, même pour traiter des cas de manière individuelle, et surtout pas en préventif. Après la découverte de la MCR1, l'équipe de chercheurs de Timothy Walsh a pu convaincre le gouvernement chinois de prendre des mesures contre la propagation de la résistance à la colistine. En 2017, la Chine a interdit l'utilisation de la colistine dans la nourriture pour animaux. Thank you.
Le gouvernement allemand mesure le tonnage d'antibiotiques utilisés dans les élevages industriels. Il apparaît que leur quantité totale a baissé au cours des dernières années. Cette diminution n'est possible que grâce aux antibiotiques de réserve, dont l'effet est 60 à 70 fois plus élevé. Par exemple, avec un kilo de tétracycline, on peut traiter 39 000 porcs. Si on utilise un antibiotique de la classe des quinolones, comme les inhibiteurs de la gyrase, on peut traiter avec la même dose plus de 2 millions de porcs, soit 70 fois plus. Ça permet de faire des économies substantielles. Tout le monde peut faire le calcul. Cette pratique me met en colère, parce que je sais que c'est le principal antibiotique dont on a besoin pour la transplantation d'organes. Les patients qui subissent une transplantation et qui souffrent d'infections urinaires complexes risquent de ne plus pouvoir être traités avec cet antibiotique parce qu'il est utilisé dans tous les élevages industriels de volailles et que cela crée des résistances. La ciprofloxacine est une fluoroquinolone. Regarde. Voici la quantité d'antibiotiques polypeptides relâchés dans l'environnement. On vient de le voir. Le principal composant est la colistine. Elle est passée pour la première fois de 68,9 à 73,6. Autrement dit, on a une augmentation de 6,8% de la colistine. Sur la base de la dernière étude qui avance le chiffre de 69 tonnes de colistine, nous avons réalisé une estimation. La colistine est administrée par inhalation aux personnes atteintes de mucoviscidose, ce qui permet d'allonger sensiblement leur durée de vie. En Allemagne, 15 à 18 000 patients atteints de mucoviscidose sont traités avec cet antibiotique. Si on utilisait le même tonnage en médecine humaine que dans les élevages de dinde et de poulets, on pourrait soigner 70 millions de personnes, soit la quasi-totalité de la population allemande. Ce n'est pas une petite affaire. C'est même un crime. On utilise des antibiotiques de réserve de manière systématique et non ciblée sur des animaux jusqu'à leur abattage, alors que ces antibiotiques ont été conçus exclusivement pour sauver des vies humaines à l'hôpital, dans les services de soins intensifs. Pour moi, c'est un crime. En 2017, l'OMS a défini 8 classes d'antibiotiques comme médicaments de dernier recours. Ces antibiotiques de réserve doivent être exclusivement réservés à la médecine humaine. En Allemagne, 3 de ces antibiotiques de réserve destinés à sauver des vies humaines sont toujours utilisés dans l'élevage. On a découvert la NDM en 2008, puis la MCR en Chine en 2015, une résistance à un des antibiotiques de dernier recours. Chacun sait que ça se propage dans le monde entier. Donc, un peu partout, les physiciens et les chercheurs attendent nerveusement le jour où ils observeront la bactérie qui ne réagit à plus rien du tout. Celle qui sera résistante à tout.
On a accueilli une patiente d'environ 70 ans. Elle s'était cassée la hanche et avait reçu des soins en Inde, où elle était hospitalisée. Quand elle est rentrée aux États-Unis, elle souffrait d'un certain nombre de symptômes qui lui ont valu un autre séjour à l'hôpital. Et on a détecté chez elle la présence de la bactérie Klebsiella pneumoniae. Le 25 août, c'était un jeudi, j'ai reçu un appel. L'infirmière du service de prévention des infections venait de signaler un cas de résistance à tous les antibiotiques testés. La résistance à 14 traitements, c'est quelque chose de très inhabituel. C'était la première fois que je voyais ça. C'était un choc. Aucun des 14 antibiotiques ne répondait. Nous avons la possibilité ici de tester un plus large éventail d'antibiotiques que les laboratoires des hôpitaux et des cliniques. Il est extrêmement rare pour nous d'observer une bactérie résistante à tout. Quand ça arrive, dans 99% des cas, on parvient à trouver un autre antibiotique qui fasse effet. Je me souviens, c'était un vendredi. Ils ont passé le week-end à tenter de déterminer le mécanisme de résistance de cette bactérie. Nous étions sûrs que nous allions trouver un traitement pour cette patiente. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avons reçu les résultats le 1er septembre. Il a été déclaré que cette bactérie était insensible aux 26 antibiotiques existants aux États-Unis pour ce type de traitement. Un cauchemar est un très mauvais rêve dont on finit par se réveiller. Une bactérie cauchemardesque, c'est la même chose. On présage le pire, sauf que le rêve devient réalité. Les gens ne vont s'y intéresser que le jour où il y aura une épidémie. Et c'est ce qui nous pend au nez si on ne fait rien. On ne devrait pas rester les bras croisés. La catastrophe est imminente. On a utilisé tous les remèdes. Le temps presse. Je ne pense pas qu'on va gagner cette guerre. Mais il est important de ne pas quitter le champ de bataille. Il faut s'engager et faire le maximum pour retarder l'inévitable. Si nous perdons l'ensemble de nos antibiotiques, ce sera une véritable bombe pour les systèmes de santé partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons allumé la mèche de l'explosif. Elle brûle. Mais on ne sait pas de quelle longueur elle est.